parler de la pédagogie Steiner-Waldorf dans les congrès de pédagogie alternative, on invite aussi des professeurs, c'est un phénomène nouveau. Néanmoins, la pédagogie Steiner-Waldorf reste un questionnement pour beaucoup, beaucoup de parents, beaucoup, beaucoup de penseurs aujourd'hui, de pédagogues, d'écoles, et elle a besoin d'être mieux explicitée. Et je crois que les années à venir, la Fédération Steiner-Waldorf, mais aussi chaque école devra de plus en plus mieux expliquer les fondements de cette pédagogie, d'où elle vient, quelle est son essence propre, quel est son visage, quels sont les moyens qu'elle se donne. Tout ça doit devenir absolument transparent. Aussi ce lien avec la religiosité, avec les confessions, avec l'anthroposophie, la science de l'esprit, tout ça doit être explicité d'une manière claire afin que parents et aussi les autorités responsables, politiques et autres, comprennent au mieux l'idéal et les fondements sur lesquels elles s'appuient. Il va falloir être plus transparent sur ce qu'est la pédagogie Steiner-Waldorf et son rapport avec l'anthroposophie. C'est ce qu'affirme M. Guy Chaudon, actuel président de la Fédération Steiner-Waldorf en France. Un homme qui fut professeur durant 38 ans à l'école Matthias Grunewald à Colmar, où est pratiquée la pédagogie dont il est aujourd'hui l'éminent représentant dans notre pays. Les anthroposophes vont donc devoir expliquer ce qu'est l'anthroposophie. Ce qui n'est pas une mince affaire pour eux, puisque Rudolf Steiner a donné quelques recommandations aux professeurs, répertoriées dans un livre intitulé « Conseils, réunion avec les professeurs de l'école Waldorf de Stuttgart ». Et dans ces conseils, il affirme qu'il faut garder secret le lien avec l'anthroposophie, mais aussi garder secret le fonctionnement de l'école. Nous devons laisser le mot « anthroposophie » de côté. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les fondements et l'essence de ce qui est l'anthroposophie doivent passer dans l'enseignement donné aux enfants sans que le mot soit prononcé, sans que ça ait l'air d'être de l'anthroposophie, sans que ni les élèves, ni les parents, s'ils ne sont pas au courant et partie prenante, ni les gens de l'extérieur ne fasse le lien entre l'anthroposophie et la pédagogie Waldorf. Il est évident que l'anthroposophie est le socle sur lequel se dresse la pédagogie Steiner-Waldorf. Guy Chaudon ne le nie pas. L'anthroposophie, ou comme dit Rudolf Steiner, la science de l'esprit, forme le fondement pédagogique des professeurs dans les écoles Steiner-Waldorf. Pas uniquement, mais c'est une composante essentielle. Alors, bien entendu, cette science de l'esprit, elle vise à mieux percevoir la nature de l'enfant. Elle ne remplace pas les sciences pédagogiques classiques, elle vient la compléter, l'élargir, l'enrichir par une vision justement plus verticale, c'est-à-dire à la fois physique, à la fois biologique, à la fois psychique et aussi spirituelle. Ça reste un outil pour les pédagogues pour mieux saisir la nature de l'enfant. Jamais cette anthroposophie ou cette science de l'esprit, dans ses résultats, n'est enseignée dans les classes. C'est véritablement le travail personnel du professeur qu'il fait en amont, pour lui, dans sa chambre, dans son cabinet d'études, afin d'enrichir de son travail didactique. Même si le discours est fuyant par endroits, prend des circonvolutions pour ne pas exprimer directement les choses, Guy Chaudon est clair. Le professeur doit appréhender sa mission professionnelle en étant sous la coupe du mouvement religieux de Rudolf Steiner. Donc même si le pédagogue ne donne pas de cours d'anthroposophie, tout ce qu'il passe aux enfants,
en tant que médiateur et éducateur, est donné par le filtre de l'anthroposophie. Cela ne peut que laisser des traces, même lorsque l'enfant sort de cette scolarité sans être anthroposophe, même si ce ne sont que des notions imperceptibles. Mis bout à bout, avec le temps et les générations, cela crée une mentalité que les anthroposophes essaient de façonner et qui a pour but d'emmener avec eux ce qu'ils peuvent de l'humanité vers la sixième race racine, qui succédera à la nôtre, la cinquième race racine, celle des humains, dont l'élite spirituelle est la famille des Aryens. D'ailleurs, les anthroposophes sont sur un temps long. Ils sont extrêmement actifs au quotidien, mais ils sont persuadés qu'ils ont le temps avec eux, que le plan des dieux dont ils sont l'outil va se réaliser. Les perceptions clairvoyantes de Rudolf Steiner, qui a pu retirer de précieuses informations dans la bibliothèque éthérique du monde, l'Akasha, annoncent que la cinquième race racine périra en 7893 après Jésus-Christ. Après un certain laps de temps, la famille humaine la plus élevée, qui aura dépassé tous les particularismes pour vivre dans la spiritualité universelle qu'est l'anthroposophie, celle-ci évoluera dans la sixième race racine, dans une humanité totalement éthérée, purement angélique, une humanité qui aura la particularité, par exemple, d'être bisexuée. Viendra ensuite la septième race racine, l'état de perfection, mais ceci est une autre histoire. Un anthroposophe n'expliquera jamais publiquement le but de l'anthroposophie de cette manière. Encore moins un pédagogue Steiner-Waldorf. Et si quelqu'un, en dehors du cercle steinerien, l'explique afin de mettre en garde ses contemporains, et peut-être les générations à venir, alors on essaye de le museler d'une manière ou d'une autre. Il ne faut surtout pas que la vérité se sache. C'est ainsi que Rudolf Steiner donne ses conseils aux professeurs. Il faut se faufiler. Il faut être conscient que c'est nécessaire, au moins pour atteindre notre but, parler aux gens et intérieurement les duper. Est-ce pour cela que lorsque Rudolf Steiner donne ce conseil aux professeurs, Tricoter développe de bonnes dents? Guy Chaudon nous dit ceci. Le travail des mains, on le sait, agit aussi sur le cerveau, structure, consolide. Apprendre à tricoter, apprendre à crocheter, apprendre à coudre. Rudolf Steiner donne aussi ce conseil. Nous ne devons pas craindre de parler aux enfants de territoire atlantéen. Le territoire atlantéen, pour ceux qui ne le savent pas, est celui de la quatrième race racine, celle qui a précédé la nôtre. À cette époque, selon Rudolf Steiner, les hommes étaient ainsi. À l'ère quaternaire, l'homme est encore, dans sa forme extérieure, apparenté à la méduse dans sa substance. L'obscurité. Ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. Voici un autre conseil de Rudolf Steiner.
celui qui ne fait pas de l'eurythmie est exclu de l'école. Effectivement, l'eurythmie, qui est une danse occultiste, est pratiquée dans toutes les écoles Steiner-Waldorf, obligatoirement. Autre conseil de Rudolf Steiner, celui de ne pas faire de la gymnastique. Du point de vue physiologique, la gymnastique est une barbarie. Il sera donc pratiqué dans les écoles la gymnastique Bottmer, un sport anthroposophe commandé au comte Fritz von Bottmer, un capitaine de l'armée qui fut professeur à la première école bavaroise Waldorf. Je pourrais citer de nombreux autres exemples, mais j'en viens à l'essentiel. Comment se fait-il que le chef de file de la Fédération Steiner-Waldorf en France donne la consigne à ses troupes d'expliquer ce qu'est l'anthroposophie et de le faire en toute transparence, alors même que Rudolf Steiner donnait ce conseil aux professeurs? Si ce lien entre l'école Waldorf et la société anthroposophique est établi de manière officielle, il est possible que l'on torde le cou à l'école Waldorf à cause de cela. Il s'agit donc d'un risque qu'avait prévu Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a proposé ces paroles pour qu'à un moment donné dans la journée, professeur et élève s'élèvent à une notion qui est supérieure à l'homme, qu'il appelle Dieu. Cette qualité qui est au-dessus, nous essayons de la cultiver au quotidien par ces paroles, où à un moment donné, ça dure quelques minutes, tout ensemble, professeurs et enfants, sur le même plan, on s'élève à une réalité qui est un petit peu au-dessus de nous et qui nous permet justement de nous relier. Comment se fait-il que le chef de file de la Fédération Steiner-Waldorf en France explique la prière du matin alors que Rudolf Steiner donnait un autre conseil au professeur? Évitez que l'on entende le mot prière dans la bouche d'un professeur et vous aurez déjà neutralisé pour une bonne part le préjugé selon lequel il s'agit d'une affaire anthroposophique. La raison à cela est simple. Les anthroposophes sont obligés de sortir du bois. À force de prendre de l'ampleur et de la place dans la société, ils ne peuvent plus se cacher, ni déguiser plus que possible ce qu'explique la réalité des textes de Rudolf Steiner. Prendre le parti de se découvrir et faire preuve de transparence, c'est une manière de couper l'herbe sous le pied des critiques. C'est garder la main pour définir comme bon leur semble ce qu'est l'anthroposophie et le lien qui existe avec la pédagogie Steiner-Waldorf, afin de sauver les apparences. C'est une nécessité pour les anthroposophes, car il faut que cette pédagogie et les écoles subsistent et continuent à se développer. Or, il y a un délai inéluctable, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. La vérité sur les buts de l'anthroposophie va advenir. C'est déjà le cas, mais cette réalité risque à moyen terme de toucher un plus large public. Cette prise de position, celle de prendre les devants, servirait donc à gagner du temps, avant de passer à une étape prochaine pour que les écoles Steiner-Waldorf se perpétuent. C'est absolument vital, car comme Rudolf Steiner le disait au professeur, si nous devons un jour abandonner l'école Waldorf, cela signifiera ôter le sol sous les pieds à notre mouvement anthroposophique tout entier.
Dès lors, une question se pose. Quelle est la suite envisageable et envisagée pour la pédagogie Steiner-Waldorf? Le 3 octobre 2019, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Bobigny, près de Paris, ainsi que dans toute la France, pour rendre hommage à Christine Renon, mais aussi pour donner voix et force aux raisons de son geste malheureux. Christine Renon, directrice d'école publique, a mis fin à ses jours le 21 septembre, dans son école de Pantin, après avoir dénoncé les pressions subies et ses conditions de travail. L'épuisement, l'indifférence de la hiérarchie, faire toujours plus avec toujours moins. Un geste fort, signe d'un malaise profond dans l'éducation publique. Deux jours après, le 5 octobre 2019, le fils de Guy Chaudon, Tristan, réagit sur les réseaux sociaux. Il écrit ceci sur Twitter. Pour que l'éducation soit efficace, elle doit être libérée de l'emprise de l'État. L'école Steiner-Waldorf est une initiative de ce type, car c'est une école autogérée. Le taux de suicide est aujourd'hui le double de la moyenne à l'éducation nationale. Tristan Chaudon se présente comme architecte, urbaniste, graphiste, social designer et entrepreneur de l'esprit. Il est membre de la branche Matthias Grunewald à Colmar, une association rattachée à la Société anthroposophique en France, ainsi qu'au Goethanum de Dornach, en Suisse, le siège de la Société anthroposophique universelle. Vous aurez remarqué que cette branche a le même nom que l'école Waldorf Steiner de Colmar. Un endroit où, par exemple, Robert Campenisch, le représentant de la médecine anthroposophique en France, a tenu une conférence sur le thème de la méditation le 1er février 2019. Dans les archives du Goethanum, on apprend aussi que Tristan Chaudon travaille dans le domaine de la méditation avec le yoga par la lumière comme première étape pour accéder aux trois étapes appelées imagination, inspiration et intuition. Le même sous-titre que la conférence de M. Campenisch. Cette fameuse méditation promue par le docteur serait donc le yoga de la lumière. Il y a dans ce milieu une personnalité marquante, Michael Werner, qui ne mange plus rien de solide depuis 35 ans, selon ses dires. Michael Werner est un éminent anthroposophe allemand vivant près de Bâle, en Suisse, et dirigeant un institut dans la recherche contre le cancer à Arlesheim, qui est en fait le groupe pharmaceutique ICIA, fabricant des médicaments anthroposophiques, notamment les préparations de ghee censées être un remède contre le cancer, selon les prédictions clairvoyantes de Rudolf Steiner. Michael Werner ne se nourrit plus que de substances liquides et de lumière, comme cela est évoqué dans le livre « Se nourrir de lumière »
sur lequel je reviendrai un jour. Monsieur Tristan Chaudon est donc fort probablement un anthroposophe. Et dans ce tweet que je vous ai cité, il promeut la privatisation complète de toutes les écoles, et ce afin de mettre fin au malaise que connaît l'éducation publique. Si cette dernière est loin d'être satisfaisante, si elle est critiquable sur de nombreux points, cette institution publique est aux abois non pas en raison de ses défauts inhérents, mais à cause du manque de moyens financiers et humains. D'autant plus qu'en France, même si cela est aussi critiquable bien sûr, l'instruction publique y est aujourd'hui une valeur fondamentale. En appeler au retrait de l'État dans l'éducation au profit des écoles privées, et notamment et surtout au profit des écoles Waldorf-Schellner, en illustrant l'argument par l'exemple du suicide de Christine Renon, est extrêmement déplacé. Dans ce que représente l'éducation publique en tant que valeur, c'est extrêmement agressif. Néanmoins, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que Tristan Chaudon exprime la solution envisagée par les anthroposophes. Le rêve ultime. La privatisation totale de toute l'éducation. Et donner comme argument phare la nécessité de séparer l'État de l'éducation, car l'État a des intérêts nuisibles qui compromettent une éducation équilibrée des enfants. Mais le réel argument est évidemment celui de ne plus subir les pressions de l'éducation nationale qui, tout du moins en France, insiste sur la laïcité, même pour une école privée à tendance religieuse comme les écoles catholiques, juives ou encore musulmanes. Or, les écoles Waldorf-Steiner n'assument pas officiellement que l'anthroposophie est une religion et que celle-ci est délayée dans les cours donnés aux élèves qui fréquentent ces classes. Gardons le secret pour tout ce que nous avons à résoudre à l'école. C'est ce que conseillait Rudolf Steiner aux professeurs. Il leur disait ceci aussi. Nous n'avons pas le droit de laisser les fonctionnaires de l'État pénétrer dans ce qui fait la substance de notre institution. S'ils veulent observer l'école, qu'ils le fassent, qu'ils viennent traîner leur guêtre ici. La substance de l'institution, c'est l'anthroposophie et son objectif, celui de mener ses ouailles vers la sixième race racine. Mais c'est aussi ses moyens. En l'occurrence, une pédagogie fondée sur toute la création prétendue spirituelle de Rudolf Steiner. Privatiser, c'est garder le secret de manière pérenne. Car comme le disait le prophète autrichien au professeur, plus nous nous fermerons vis-à-vis de l'extérieur, mieux cela vaudra. Privatiser l'éducation pour avoir les mains libres est donc la solution envisagée que tentent de concrétiser les anthroposophes. Marianne Holland, universitaire américaine en anthropologie et éducation, qui a étudié la pédagogie Steiner-Waldorf, mais qui est en fait promotrice de celle-ci et de l'anthroposophie en général, comme je l'ai prouvé par ailleurs, et pour vous en rendre compte, il vous suffit de faire un tour sur son blog, explique ceci sur un tweet. La présence croissante d'acteurs privés dans le système éducatif national, public, est une invitation à s'engager dans la transformation de l'éducation pour construire les espaces et cultiver les valeurs post-nationales de demain selon sa vision de ce que l'humain peut être. Cette déclaration est à mettre en parallèle avec ce que conseillait Rudolf Steiner. Nous devrons toujours essayer d'obtenir de l'argent de la collectivité. Privatiser d'un côté, profiter des deniers de l'État de l'autre. C'est ainsi qu'en Angleterre, les anthroposophes profitent du système en faveur de leurs écoles. Si les écoles privées sont chères dans ce pays, les parents qui payent pour cela bénéficient d'une réduction d'impôts considérable. Comme l'écrivain Owen Jones le suggère,
Cela signifie que le contribuable subventionne ces écoles. Celles-ci doivent être inspectées et homologuées par le ministère de l'Éducation sans qu'il n'y ait contrainte en matière de cursus. Seuls les résultats comptent. Il y a des entorses à la règle, comme c'est le cas pour les écoles Steiner-Waldorf. BBC News, en 2012, a pointé du doigt la création d'une école Waldorf-Steiner à Fromm, financée par l'État. Si seulement il n'y avait que ce genre de problème en Angleterre. De nombreuses écoles Waldorf en Angleterre ont été épinglées par l'inspection académique. Racisme envers les élèves, violence envers eux et entre eux n'étant pas réglée de manière adéquate, niveau d'éducation bien trop faible, et j'en passe. L'exemple le plus impressionnant étant l'école Waldorf de King's Langley, qui a dû fermer quelques mois d'abord, une ordonnance effectuée par l'inspection académique demandant sa radiation. L'école est définitivement fermée depuis le 29 mars 2019. Depuis quelques mois, toutes les écoles Waldorf en Angleterre sont suivies à la loupe. Sur 9 structures, 6 sont mises sous pression. Cela fait suite à la demande d'Amanda Spielman, inspectrice en chef des écoles en Angleterre, qui a demandé une attention accrue du gouvernement sur les écoles Steiner et qui a écrit ceci au ministre de l'Éducation. Il faut procéder à un examen approfondi des principes sous-jacents de l'éducation Steiner et examiner dans quelle mesure ils peuvent avoir contribué aux échecs courants constatés lors de nos inspections. Les constatations sont profondément préoccupantes. Elles démontrent qu'il existe de nombreux points faibles communs dans ces écoles, ce qui signifie que dans de nombreux cas, les enfants qui les fréquentent ne sont pas suffisamment protégés et reçoivent une éducation de qualité médiocre. C'est ainsi que l'école Waldorf d'Exeter est fermée depuis peu et sera reprise par l'Avanti Schools Trust, tout comme les écoles de Fromm, de Bristol et de King's Langley. L'Avanti Schools Trust est une émanation du nouveau mouvement religieux Hare Krishna, qui s'est bien fait connaître en France à la fin des années 80 et qui a été répertorié comme secte dans l'Hexagone par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, en 1995. Pour ceux qui ne le savent pas, au contraire de ce que l'on pourrait croire, Hare Krishna rejette l'hindouisme. L'Angleterre est donc dans une drôle de situation. Avec d'un côté ses écoles Steiner-Waldorf épinglées par l'État, et d'un autre côté, des personnalités majeures du pays promouvant la biodynamie par exemple, qui est une manière de concevoir l'agriculture pensée par Rudolf Steiner, et qui est tout aussi religieuse que l'est la pédagogie Steiner-Waldorf. C'est le cas du prince Charles. Ladies and gentlemen, I was most touched to have been asked to contribute a few thoughts at the opening of your international biodynamic conference. Indeed, Rudolf Steiner was one of the first people in the modern era to recognize explicitly the principles of interconnectedness in relation to farming and to describe the links between the fertility of the soil and the health of plants, animals, and people. It is truly remarkable that so many of the farming principles and practices highlighted in Steiner's 1924 agricultural lectures are still so pertinent today. Ou encore du chanteur Sting. Oh, I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart.
Ich habe jetzt ein zweites Standbein. Ich besitze ein Weingut mit biodynamischem Wein. Methode Rudolf Steiner. Mich fasziniert es und die Leute wollen den Wein. C'est le cas d'une autre personnalité, cofondatrice du mouvement Extinction Rebellion, Gail Bradbrook. Dans une vidéo où j'apostrophe Cyril Dion, j'avais soulevé la probable appartenance de la dame à l'anthroposophie. Elle vit à Stroud, une petite ville d'Angleterre où l'on trouve une forte présence des anthroposophes. Une communauté Camphile, le centre thérapeutique Saint-Luc, une communauté des chrétiens, un jardin d'enfants, une école et un collège Waldorf, une association biodynamique, un centre de certification biodynamique, une Biodynamic Land Trust, un collège d'agriculture biodynamique, une coopérative qui vend des graines biodynamiques, un centre de soins à base de rythmique qui donne des cours aussi, une branche de la société anthroposophique, etc. etc. Et comme par hasard, Madame Bradbrook, qui vit dans ce village, a donné récemment une conférence au Festival du Bien-être à la Rudolf Steiner House le 2 novembre 2019. Or, un jour après que j'ai publié cette fameuse vidéo destinée à Cyril Dion, c'est-à-dire le 22 octobre 2019, un entretien entre Madame Bradbrook et Russell Brand est publié sur la chaîne de ce dernier. So there is this paradigm, there is a shift in consciousness happening. It sounds very hippie-ish when you talk like that, and I think it's really important that you, one of the main things from Extinction Rebellion is trying to remain a broad church, that if you have a very scientific paradigm and you want to focus on current politics and affecting current politics, there's a space for you. If you have a paradigm that says, I want to walk the Mary Markle line singing and praying, then there's a space for you in it, and that, as again, Mickey Kashtan talks about both and. You know, sometimes things are set up against each other, but they're not in opposition. No. You know, they're just different perspectives and different needs. Mm. So the there's a system called spiral dynamics, and you look at different levels of consciousness that have happened. À la suite de ceci, elle explique ce qu'est la spirale dynamique sans dire que cette spirale a été créée par Claire Graves, un professeur de psychologie évolutionniste, soit une spirale qui met en évidence chaque stade de l'évolution sociale. Cette spirale, aux mains de nombreuses personnes, est devenue un reflet de l'évolution personnelle selon les concepts New Age, du stade beige, qui est existentiel, au stade turquoise, qui est holistique. C'est en fait de cette spirale que Gail Bradbrook parle, expliquant d'ailleurs, assez brièvement, l'intérêt des couleurs dans cette spirale. Cela n'est pas sans rappeler d'une part la spirale de Rudolf Steiner, le Lemniscat. Ce signe de l'infini devient un symbole occultiste. Celui qu'on dessine et fait dessiner en classe. Celui qu'on utilise pour dynamiser l'eau dans les préparations homéopathiques de Velleda ou dans l'agriculture biodynamique. C'est aussi le mouvement des planètes, selon Steiner, qui n'a rien à voir avec celui que nous approuvons aujourd'hui, mais qui est encore considéré comme juste par les anthroposophes. C'est la représentation de l'évolution de l'homme à travers les races racines, mais aussi l'essence de l'homme, le Lemniscat des religions, le Lemniscat du stade astral, éthérique et physique de l'homme, et tant d'autres applications, jusqu'au massage en Lemniscat que l'on retrouve dans les salons de bien-être anthroposophique. Et jusqu'au logo même des 100 ans de l'éducation Steiner-Waldorf. Et d'autre part,
les couleurs de la spirale que décline Gail Bradbrooks et leur rapport à un état de conscience est théorisé par Rudolf Steiner dans La nature des couleurs. C'est d'ailleurs à partir de ce traité sur les couleurs établi par la clairvoyance de Steiner que les professeurs font travailler le dessin aux enfants des écoles Waldorf. Des dessins exclusivement produits avec les crayons de marque Stockmar, fabriqués selon des principes anthroposophiques. Il est plus que probable que Gail Bradbrook soit anthroposophe ou alors sympathisante. C'est donc une drôle de situation en Angleterre. Un pays où les écoles Steiner sont pointées du doigt et où des leaders d'opinion sont influencés par une anthroposophie qu'ils promeuvent. Mais que nos cousins britanniques se rassurent, en France, nous en sommes quasiment au même point. J'y reviendrai. Car d'abord, je souhaite vous parler de l'Allemagne. Si le Vatican de l'anthroposophie se trouve en Suisse, c'est bien en Allemagne que le mouvement a évolué et s'est fortifié. C'est à Stuttgart que la première école Steiner-Waldorf a été créée. Sous l'impulsion de Rudolf Steiner, bien sûr, mais aussi d'Emil Molte, entrepreneur et fondateur de la fabrique de cigarettes Waldorf Astoria. Les deux hommes se sont rencontrés par la société théosophique de Madame Blavatsky, à laquelle ils appartenaient tous les deux. Rudolf Steiner était le secrétaire général de la société en Allemagne et il organisait des conférences dans le cadre de la section ésotérique à laquelle participait M. Molte. Lorsque Madame Bessant prit la direction de la société théosophique et annonça la venue du Maitreya, ultime incarnation de Jésus, en la personne de Krishnamurti, Rudolf Steiner fit scission et créa la société anthroposophique. Des Allemands théosophistes le suivirent, dont Emil Molte. Ce dernier demanda qu'une école soit créée selon les préceptes de l'anthroposophie et destinée aux enfants des employés de son entreprise Waldorf Astoria. L'école Steiner-Waldorf de Stuttgart ouvre ses portes le 7 septembre 1919. Qu'en est-il aujourd'hui? Selon plusieurs journaux allemands, les écoles Steiner-Waldorf sont de plus en plus populaires chez nos cousins germaniques. 7041 élèves ont été inscrits dans ces écoles au cours de la dernière année scolaire. La proportion d'effectifs a doublé depuis 1992. C'est bien. Mais il faut relativiser cette statistique. L'Allemagne compte 8 500 000 élèves. Les écoles Steiner-Waldorf ne touchent qu'1% d'enfants et d'adolescents. Par ailleurs, elles bénéficient du boom des écoles privées qui éduquent plus d'élèves, avec une augmentation de 80% des effectifs depuis 20 ans. Avec une accélération significative en ce sens depuis qu'est sortie la première étude du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, ordonné par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, et qui classait le système éducatif allemand à la 21e place, ce qui fut un choc. Si en 2016, le classement PISA de l'Allemagne est à la 16e place, cela serait donc corrélé à ce boom des écoles privées. En 2012, Die Welt propose un article soulignant que les scientifiques louent les écoles Steiner-Waldorf. En premier lieu, Andreas Schlicher, qui a fait l'apologie d'une étude de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, vantant les mérites des écoles Waldorf, notamment un développement harmonieux des enfants dans un milieu éducatif sain.
On pourrait conclure de cela que la privatisation et le boom des écoles Waldorf en Allemagne sont bénéfiques pour le pays. Pour être sûr de cela, il faudrait savoir qui établit les critères et les classements, en l'occurrence PISA. PISA est un organisme menant des études visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays. Le premier classement PISA, suivi de commentaires, a été publié en 2000 et le dernier en 2016. Les enquêtes sont menées toutes les 3 ans auprès des élèves de 15 ans. PISA est une émanation de l'OCDE, organisation qui était auparavant l'OECE, issue du plan Marshall, un programme de rétablissement européen après la Seconde Guerre mondiale financé par les États-Unis. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. En 4 ans, les États-Unis prêtent à l'Europe 16,5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 173 milliards de dollars aujourd'hui. L'OCDE compte aujourd'hui 36 pays membres et propose de nombreuses études économiques, analyses, prévisions et recommandations. Cet organisme n'oublie pas ses racines et promeut officiellement le libéralisme économique, en opposition donc avec l'État-providence. Il n'est pas étonnant alors que PISA mette en avant la privatisation des systèmes éducatifs et pilonne régulièrement de critiques les systèmes qui tendent à privilégier l'éducation publique. Celui qui a mis en place les études PISA et qui en est aujourd'hui le chef de division et le coordinateur, c'est Andreas Schleicher, celui-là même qui vante la pédagogie Steiner-Waldorf. En plus d'être chercheur dans le domaine de l'éducation et directeur du programme d'éducation de l'OCDE, Andreas Schleicher a une particularité. Voici une interview qu'il donne à la chaîne allemande WDR, une chaîne régionale publique, en 2017. Waldorfschule weniger um die Vermittlung von standardisierten Stoff, der dann rezipiert wird, wiedergegeben wird, benotet wird, sondern eher darum, wie ein Mathematiker zu denken, wie ein Historiker zu denken, wie ein Philosoph zu denken. Ne? Und das ist im Grunde auch das, was als Forscher wichtig ist. Ich bin auf die Waldorfschule in Hamburg-Wandsbek gekommen und das war für mich auch eine ganz tolle Lernumgebung, muss ich sagen. Das ist eine Lernumgebung gewesen, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, die Lehrer interessieren mich wirklich für sich, für mich und haben im Grunde auch an meinen individuellen Talenten, Fähigkeiten, Interesse und die auch entwickelt und gestärkt. Es war einfach sehr viel weniger Schule und sehr viel mehr im Grunde Lernen. C'est comme une boucle qui se boucle. Avec l'argent du contribuable, les États financent un organisme qui promeut le libéralisme économique, qui promeut la privatisation de l'éducation à travers une émanation créée par un ancien élève Steiner-Waldorf qui vante les mérites de celle-ci sur une chaîne de télévision publique. Et cet ancien élève booste les effectifs des écoles privées, notamment en Allemagne, et notamment les écoles Waldorf, grâce au classement PISA qu'il a créé. Je ne suis pas doué en termes juridiques, mais je suis sûr qu'il y a un terme pour cela. À moins que je sois le seul à trouver ces liens étranges. Je veux dire, est-ce que l'OCDE est au courant que, quelque part, elle travaille pour l'avènement de la sixième race racine ? En Allemagne, il y a aussi le réel qui parle contre les chiffres,
et qui rappelle peu ou prou les mêmes problématiques qu'en Angleterre. J'avais déjà cité, dans une précédente vidéo, les trop nombreuses fois où les écoles Steiner-Waldorf en Allemagne ont été signalées comme des foyers d'épidémie. Je n'avais pris que l'exemple de la rougeole de 2001 à 2015. Le moins que l'on puisse dire est que le constat est choquant, et je posais la question de savoir si cela était en rapport avec l'anthroposophie, puisque Rudolf Steiner déconseillait la vaccination aux enfants afin que ceux-ci payent leurs dettes karmiques. Il est possible de faire un constat tout aussi effrayant concernant les cas de violence dans les écoles Steiner-Waldorf dans le pays de Goethe, et ce, depuis la première année jusqu'à aujourd'hui. Après avoir fondé la première école, Rudolf Steiner donne quelques conférences ailleurs, et lorsqu'il revient à Stuttgart, il retrouve l'établissement dans un état chaotique parce que des enseignants avaient giflé des élèves et que les parents étaient, on s'en doute, bouleversés. Je ne suis rentré que depuis quelques heures et j'ai entendu tant de rumeurs sur les personnes qui ont reçu une gifle. Tous ces commérages vont au-delà de toutes les limites et j'ai vraiment trouvé cela très dérangeant. Nous n'avons pas vraiment besoin de nous inquiéter lorsque les choses s'infiltrent. Gardons le silence sur tout ce que nous traitons à l'école. Restons-en à une sorte de secret scolaire. Je peux aussi donner quelques exemples récents. En 2011, à l'école Waldorf de Jena, les parents signalent une agression physique contre un enfant. L'école avait décidé de rompre les contrats d'études avec les élèves dont les parents devenaient critiques. Même année, à l'école de Cassel, un enseignant frappe un élève âgé de 11 ans. En 2012, un enseignant de l'école de Guéra s'en prend à un élève en le frappant contre un mur. L'enfant souffrant d'une commotion cérébrale sera hospitalisé. En 2013, au jardin d'enfants de Cassel, des parents observent des ecchymoses sur leur corps de leurs enfants, dues à une éducatrice qui s'y prenait sans doute un peu fort pour tenir sages les bambins. En 2014, au jardin d'enfants de Krefeld, une éducatrice harcèle et blesse sexuellement des enfants. Le conseil de l'école a décrit les enfants comme non crédibles. Mais il a quand même été mis fin au massage à l'huile. En 2015, à l'école de Münster, un enseignant frappe une fille. Un expert parle alors de la faiblesse et de la faillite du système d'éducation mis en place. En 2016, au jardin d'enfants de Berlin, des parents ont signalé des traces de fessées sur leur fille. L'instituteur a nié et mis en cause la jeune fille, déclarant qu'elle avait probablement, je cite, « souhaité quelque chose de sévère ». Je pourrais vous parler d'autres actes dans ces écoles, mais aussi à Görlitz, Guéra, Landsberg, Kempten et ailleurs. Je pourrais vous lister d'autres actes monstrueusement nombreux par le passé, seulement en Allemagne. Mais ce serait alourdir le propos de cette vidéo. Je vous recommande à ce sujet l'article « À propos de la violence dans les écoles Waldorf » sur le site anthroposophie.blog d'Oliver Rautenberg qui est absolument édifiant. L'Allemagne se trouve donc dans le même cas que l'Angleterre. Une célébration médiatique et une réalité loin d'être réjouissante. Et la France dans tout ça? Selon un tweet de Marianne Hollande, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, les écoles Steiner-Waldorf sont controversées en France car valorisant dans l'éducation des critères comme la citoyenneté mondiale, l'empathie, l'imagination et la liberté de conscience absolue, non entravée par les contraintes de la hiérarchie existante. Autre tweet de Marianne Hollande.
La séparation de l'État et la nation peut être avancée si la taxation s'accompagne d'une politique de choix pour chacun, notamment en ce qui concerne l'éducation, au lieu d'un monopole institutionnel. Privatisation donc. Nous sommes bien dans cette logique. Martin Bernard, écrivain public suisse défendant et promouvant l'anthroposophie et certaines de ses annexes comme les écoles Waldorf, à travers des articles publiés sur des sites apologétiques comme Aether, revue numérique française assumée anthroposophe, ou carrément propagateur d'idéologie steinerienne sur un site comme triarticulation.com, tweetait ceci le 5 novembre. Inégalitaire, trop académique, pas pertinent. L'OCDE blâme le système scolaire français. Tiens, tiens, l'OCDE. Martin Bernard propose en lien un article datant de 2014, publié sur le site France TV Info, chaîne de télévision française et publique d'information en continu. Tiens, tiens. Cet article cite un entretien publié par Le Monde. Un entretien avec un certain Andreas Schleicher. Ça vous rappelle quelque chose, je pense. Et dans cet entretien, s'il ne parle pas des écoles Waldorf, il incrimine généreusement le système éducatif français. Morceau choisi. L'enseignement n'est pas pertinent en France. L'école française fait encore trop réciter des leçons. En France, plus qu'ailleurs, on n'enseigne pas suffisamment ce qui sera pertinent pour réussir sa vie. L'école française est l'une des plus inégalitaires au monde. Monsieur Schleicher tacle vigoureusement le niveau des enseignants français. La qualité d'un système éducatif n'est jamais supérieure au talent de ses enseignants. On ne changera les mentalités des élèves qu'en changeant celles des professeurs. Il s'en prend aussi au syndicat des professeurs, ceux-là même qui soutiennent le geste malheureux de Christine Renon. Un pays a les syndicats qu'il mérite. La nature des syndicats reflète l'identité d'un système éducatif. Si vous avez un système très industriel, les syndicats reproduisent cette structure et se battent comme ceux des ouvriers pour les salaires, les effectifs. Il n'y a pas que du faux dans ce que dit Andreas Schleicher. Mais on sent bien que la solution au constat qu'il pose, c'est de séparer l'État de l'éducation. Il s'agit là d'une ode à la privatisation qui ne vous surprendra pas. Et au profit, peut-être, de qui vous savez. Les écoles alternatives, et notamment la pédagogie Steiner-Waldorf, ont, tout du moins médiatiquement, le vent en poupe. Françoise Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture sous le premier gouvernement Macron, très proche des anthroposophes, a créé une école, le domaine du possible, éduquant selon la pédagogie Steiner, avant de s'en dédire, voyant le souffle du scandale arriver. Le numéro 1 actuel du parti politique écologiste Les Verts, Yannick Jadot, fait la promotion au détour d'une phrase lourde de sens du biodynamique. Tout comme le ministre actuel de l'Agriculture, Didier Guillaume. Dans la bonne agriculture et faisant les bonnes pratiques, et donc au 1er janvier 2021, le glyphosate sera interdit en France. D'ores et déjà, nous travaillons notamment avec la filière viticole qui est très forte dans notre région. Plus de 50% de la filière viticole est aujourd'hui déjà en biodynamie, en bio, etc. Il n'y a aucun problème. Il y a une autre personnalité, très influente, qui fait figure de vieux sage. Pierre Rabhi. Père de la sobriété heureuse et qui a assumé dans son autobiographie être influencé par Rudolf Steiner. Mais pour faire le même parallèle avec l'Allemagne et l'Angleterre, qu'en est-il des violences dans les écoles Waldorf en France ? Une affaire troublante vient de sortir publiquement à travers un article du journal Le Parisien,
et repris par de nombreux autres médias. Le titre de cet article est « Agression sexuelle entre enfants, une école Steiner de l'Essonne dans la tourmente ». Publié le 21 octobre, cet article stipule que l'école Steiner Waldorf serait le théâtre de violences sexuelles et de viols entre élèves. Plusieurs parents portent plainte. Suite à une tentative de régler l'affaire en interne, un mail est même passé où il serait stipulé, je cite, « Le contenu des réunions doit rester entre adultes en faisant attention aux oreilles qui traînent ». Le secret ? Toujours le secret ? L'enquête est en cours et il ne faut pas être trop hâtif. La présomption d'innocence existe. Mais si cette affaire de violence est avérée, elle est un écho inquiétant aux autres situations gravissimes dont j'ai parlé précédemment. Cela m'amène à vous faire part d'un témoignage éclairant et inquiétant. Suite à cet article paru dans Le Parisien, l'école de Verrières-le-Buisson a publié un communiqué dans lequel la direction se défend point par point contre les accusations. Ce communiqué a été repris par la Fédération Steiner en France et la Société Anthroposophique en France, puis par d'autres écoles en guise de soutien. C'est le cas de l'école Waldorf d'Avignon, dans le sud-est de la France, qui publie ce communiqué sur sa page Facebook le 25 octobre. Trois jours après, une maman d'une ancienne élève du jardin d'enfants commente. Il est évident que l'on ne peut formuler de critiques sur une école Steiner sans être rejeté du côté de l'intolérance ou de la malhonnêteté. Cela aussi est regrettable. Concernant votre école, celle de Verrières-le-Buisson, je n'ai pas d'avis parce que je ne sais pas. Mais concernant Sorgue, qui fait cette publication, je sais, et ça fait un an, que mon enfant répare les dégâts causés par l'attitude inacceptable de l'équipe du jardin d'enfants. Je n'ai jamais cherché à causer le moindre problème, ni à m'exprimer publiquement. Mais cette école partage votre publication sans savoir non plus de quoi il retourne réellement. Son soutien n'est pas informé, il est corporatiste. Donc, je m'exprime. Ce témoignage est on ne peut plus explicite, effrayant, et tombe à un moment fatidique pour les écoles Waldorf. On me rétorquera que je tronque le propos de la maman en mettant de côté la première partie de son texte où elle précise que l'on peut avoir des choses à redire au fonctionnement d'une équipe pédagogique sans pour autant remettre en cause la pédagogie Steiner. Oui, on peut me le reprocher. Il est pourtant évident que cette maman parle au regard de l'expérience traumatisante qu'a vécue son enfant, et qu'il nous revient à nous, qui essayons d'analyser et de comprendre, qu'il faut prendre en compte cette protestation dans le cadre d'une étude beaucoup plus large, et au regard de ce qu'il se passe ailleurs. Par exemple, en Angleterre et en Allemagne. Alors, avec raison, on me contredira. La violence existe de partout, dans des écoles éduquant suivant d'autres modèles pédagogiques. C'est vrai. Mais il s'agit là d'un sophisme. La violence est innée à l'homme, donc elle est présente dans les écoles Waldorf, donc on n'étudie pas, on n'analyse pas. Voilà. Quel paradoxe pourtant, sachant que l'éducation Steiner-Waldorf se veut un modèle pédagogique proche de chaque enfant qu'il considère comme différent et unique. On peut constater aussi que la recrudescence des violences, tout du moins dans les pays dont j'ai parlé, est plus importante proportionnellement dans les écoles Waldorf que dans les autres types d'éducation, notamment rattachés à l'éducation publique. À mon sens, il y a trop de corrélations qui posent question. Comme je vous l'ai confié auparavant, j'avais posé la question qui était de savoir s'il y avait un lien entre la dette karmique impayée si on subissait la vaccination et le fait que les écoles Waldorf
soit le foyer d'épidémie en Europe. Cette fois, il faut poser cette question. Est-ce qu'il y a, dans les textes et la pensée de Rudolf Steiner, quelque chose qui permet l'existence et même la justification de cette violence, notamment dans le cadre de la pédagogie qui en découle? Bien sûr, tous les enfants et tous les professeurs des écoles Waldorfsteiner ne sont pas violents. Là n'est pas le propos. Mais il faut constater qu'il y a beaucoup de violence dans ces écoles. Et sans doute plus que dans n'importe quelle autre, utilisant d'autres types de pédagogie. Dans Expérience du surnaturel, les trois voies vers l'âme du Christ, Rudolf Steiner dit: si nous sommes vraiment convaincus du karma, alors si quelqu'un nous gifle, on ne peut pas dire « je n'aime pas ça, que tu me donnes cette gifle ». Mais il faudrait dire « qui m'a réellement donné cette gifle ?» Moi-même, car j'ai fait quelque chose dans ma vie passée, ce qui a permis à l'autre de me donner cette gifle, et je n'ai aucune raison de lui dire qu'il me fait du tort. La gifle reçue est donc une histoire de karma. Car, comme vous le savez peut-être, ou comme vous l'avez compris, selon Rudolf Steiner, les êtres humains se réincarnent. L'anthroposophie croit donc au karma. Il en découle que le professeur d'une école Waldorf croit au karma. Si un enfant reçoit une gifle ou toute autre agression, est-ce peut-être que c'est l'enfant qui voulait se blesser lui-même en raison d'un mal commis dans une vie précédente ? Cela éclaire d'une drôle de lumière ce qu'avait dit cet éducateur du jardin d'enfants de Berlin pour se défendre d'avoir donné une fessée à une jeune fille. Elle avait souhaité probablement quelque chose de sévère. Je rappelle aussi, à moins que vous soyez déjà au courant, avant de naître, les enfants ont choisi leurs professeurs et les professeurs, leurs élèves. Si ce genre de violence arrive, est-ce parce qu'elle était prédestinée et nécessaire pour nettoyer le karma ? Selon l'article « Y a-t-il une omerta sur les abus sexuels dans les écoles Steiner-Waldorf » de Margot Duquesne, publié sur le blog lajournaleuse.com le 23 septembre 2019, une maman dont la fille était inscrite à un jardin d'enfants en Belgique témoigne qu'une des enseignantes affirmait qu'il faut, je cite, « laisser les âmes s'affronter ». Et ce, après que cette maman se plaigne que sa jeune fille soit harcelée par un jeune garçon qui aurait touché son sexe et lui aurait obligé à embrasser le sien. Les âmes doivent s'affronter ? Est-ce encore lié à cette histoire de karma ? Est-ce que si les enfants choisissent leur professeur avant de naître et qu'ils choisissent donc forcément leur partenaire en classe, ce genre de violence est nécessaire sur un plan karmique ? Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Dans leur temps d'apprentissage, et même dans le silence de leur cabinet, pour paraphraser Guy Chaudon, président de la Fédération Steiner-Waldorf en France, les professeurs se nourrissent d'ouvrages de référence. Par exemple celui de Karl Stockmeyer, les éléments fondamentaux de la pédagogie Steiner-Waldorf. Ou encore les écrits d'Eric Gaber, l'un des derniers professeurs adoubés en tant que tel par Rudolf Steiner de son vivant. Monsieur Gaber dit dans son livre Le Châtiment: l'enfant arrive en courant, en larmes et se plaint. Il me bat! L'adulte qui réfléchit sera excité. Il interviendra et se querellera. Cependant, il s'avère presque toujours calme quand on lui pose la question « Et qu'as-tu fait avant ?» Plus loin, Gaber écrit ceci. Un garçon par ailleurs calme est une fois devenu brutal et violent contre son frère ou son compagnon de jeu. Un adulte vient mettre un terme à cela en parlant un peu et en concluant avec une forte gifle au visage.
Le garçon a seulement besoin d'être réveillé rapidement par la douleur et la frayeur soudaine, pour être ramené à lui-même et à sa conscience, pour ainsi dire. Et il ne peut plus comprendre comment il a pu faire une chose aussi laide. L'ordre moral est rétabli et tout semble à nouveau sur la bonne voie. Et enfin, il ajoutera, il peut être nécessaire de recourir à des punitions corporelles et de bons résultats peuvent en découler. Peut-être que ces affirmations de M. Gaber font écho à ce que Rudolf Steiner disait dans ses conférences avec les enseignants des écoles Steiner-Waldorf. Il y a des gifles physiques et astrales. C'est en fait la même que l'on donne, mais les gifles ne doivent pas être sentimentales. La fécondité de l'enseignement dépend de la totalité de l'impression que les enseignants font sur les enfants. Que la relation entre la pédagogie Steiner-Waldorf et l'anthroposophie soit transparente, conseillait Guichedon. Cela signifie aussi que l'anthroposophie soit expliquée, son essence, ses objectifs et les moyens mis en place. Il ne suffit plus de dire que la biodynamie est une agriculture naturelle qui soigne la terre et nourrit sainement les humains. Il ne suffit plus de dire que la médecine anthroposophique prend soin totalement de l'humain sans la nocivité de la médecine moderne. Il ne suffit plus de dire que la pédagogie Steiner-Waldorf éduque l'enfant en l'aidant à se réaliser grâce à une relation personnelle et unique entre l'élève et le professeur. Il ne suffit plus de dire que les banques anthroposophiques sont éthiques. Non, cela et le reste ne suffit plus. Tous ces slogans marketing qui ne rendent pas transparent l'anthroposophie ne suffisent plus, maintenant que le projet de Rudolf Steiner, en prenant du poids dans la société, se découvre. C'est le temps de la vérité, celui de déclarer que l'anthroposophie est une religion. Car tant que cela ne sera pas assumé, l'anthroposophie et toutes ses annexes peuvent être, c'est mon opinion en tout cas, une dérive sectaire qui cherche à manipuler et séduire la population en dissimulant sa véritable essence, en vue de continuer à prospérer. Est-ce que les anthroposophes sont prêts à cela ? Je remercie mes amis de radioyoutube.xyz qui ont passé sur leur canal cette vidéo. Vidéo qui n'a pas trop plu aux anthroposophes, comme on s'en doute. Un message a été passé en privé pour troller cette vidéo. Jean-Paul Dion l'a rendu public sur son compte Facebook.
Il est demandé de disliker en masse la vidéo ou de proposer des liens publicitaires pour les annexes anthroposophiques, par exemple. Par contre, il est recommandé de ne pas m'écouter. On ne sait jamais, n'est-ce pas ? Jean-Paul Dion a publié ce message de manière publique par erreur. D'ailleurs, il l'a supprimé dès qu'il s'est rendu compte de son erreur. Monsieur Dion n'est pas un inconnu pour ceux qui étudient l'anthroposophie en France. Il était forcément intéressé par ma vidéo, puisqu'il est le comptable de l'école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson. Par ailleurs, il est membre de la Société anthroposophique. En avril 1983, dans un bulletin de la Société anthroposophique destiné aux seuls sociétaires, il signe un texte au titre de « La maison Rudolf Steiner ». Et il explique ceci, je cite, « Il est absolument indispensable qu'un mouvement comme le nôtre ait véritablement pignon sur rue, qu'il manifeste aux yeux de tous son existence. La constitution de société dont nous parlions tout à l'heure n'a-t-elle pas pour but, entre autres, de donner à l'anthroposophie un vêtement culturel ?» Fin de citation. Un vêtement culturel ? Je vous laisse réfléchir à ça. La séquence à la fin de la vidéo a dû surprendre. Il s'agit de la spirale de l'Avent que les pédagogues des écoles Steiner-Waldorf présentent comme un simple événement festif permettant aux enfants de se relier à la période hivernale sans motif religieux. Elle a lieu le premier lundi après le marché de Noël dans les écoles, c'est-à-dire, pour cette année 2019, le lundi 2 décembre, de 9h à 10h. En fait, il s'agit d'une cérémonie initiatique, anthroposophe, qui n'est pas expliquée comme telle auprès des enfants et des parents. C'est la première et la dernière classe, la 12e, qui y participe. Ainsi, symboliquement, le premier rejoint le dernier. Un contexte biblique et cyclique du monde où les petits frères sont liés aux grands frères, dans une appartenance communautaire symbolisée par un acte de recueillement. On cloisonne les fenêtres avec des rideaux noirs pour que l'obscurité soit complète. Sur le sol, on dispose des branches de pin formant une spirale. Au centre de cette spirale, une bougie. Chaque élève de la première classe reçoit d'un élève de la 12e classe une bougie qu'il va devoir allumer en suivant le parcours de la spirale. Une fois allumée sa propre bougie à l'aide de la bougie située au centre de la spirale, l'enfant la rapporte en suivant le tracé en sens inverse. Pendant ce temps, soit un professeur, soit l'ensemble de l'école entonne des chants religieux. Il y a un mouvement concentrique vers le centre où se trouve la lumière. Ce rite cultuel, puisqu'il s'agit d'un rite évidemment, symbolise le mouvement d'intériorisation de l'âme humaine lors de l'entrée dans la saison d'hiver, puis le nécessaire redéploiement de cette âme vers l'extériorité du monde qui doit lui succéder. Trouver sa lumière intérieure en allant au centre de soi-même, ce sera trouver le Christ qui va naître à Noël. Le Christ étant pour les anthroposophes double, une force psychique qui se manifeste dans le moi profond de l'être humain et une puissance cosmique de la nature capable d'agir sur les plantes. Cet acte cultuel emprunte au rite des mystères de la Grèce antique. Selon les anthroposophes, à l'approche de Noël, l'âme humaine doit se retourner vers l'intérieur de son noyau, c'est-à-dire dans son moi profond, afin de trouver en elle une force cosmique supérieure qui lui permettra de se renouveler. Cette force est celle du Verbe de l'univers, ou le Christ des anthroposophes en fait. Tout se joue au plan astral. Alors pourquoi pas, chacun ses croyances, mais quand est-ce que les anthroposophes vont sincèrement l'expliquer sans faire de détour ou de simplification? Je vous présente un autre acte rituel qui se déroule dans les écoles. La fête de la Sainte Lucie. Thank you.
Vous m'avez entendu dire que l'anthroposophie croit en la réincarnation et que les enfants, avant de naître, choisissent leur professeur. C'est quelque chose qu'aucun pédagogue Steiner-Waldorf ne peut nier, sauf à dissimuler ou même blasphémer, puisque c'est Rudolf Steiner qui le dit explicitement. En sachant cela, écoutez Guy Chaudon nous parler de l'enfant. S'appuyer sur la nature humaine, ça sous-entend de comprendre qu'un enfant, lorsqu'il naît, n'est pas ce que nous appelons tabula rasa. La vision de Rudolf Steiner par rapport à la nature de l'enfant, c'est que, outre le corps physique, outre l'aspect psychologique qui vit en chacun, il y a un troisième élément qu'il pressent et qu'il nomme l'esprit en l'homme, c'est-à-dire le moi, le je, l'ego. Il met en avant le fait que cette individualité est, bien qu'encore fortement immergée chez le tout petit, mais néanmoins déjà présente. Et qu'une attitude pédagogique vraie serait de respecter, dès le départ, dès la petite enfance, cette individualité naissante, qui veut naître. Et donc, une pédagogie respectueuse de cette réalité se doit d'être accompagnatrice. Un petit peu à l'image d'un jardinier, si vous voulez, qui, lorsqu'il plante une graine, respecte la nature de cette plante. Il ne cherche pas à transformer une tomate en aubergine, par exemple. Pour ceux qui n'étaient pas au courant pour le karma et la réincarnation, je pense que désormais, ce genre de parole est saisissant. D'ailleurs, ce qui a le plus saisi dans cette vidéo que j'ai réalisée, c'est le rôle possible d'Andreas Schleicher dans la promotion des écoles Steiner-Waldorf à travers les classements PISA de l'OCDE. Il est vrai que si cette supposition est avérée, il y a quand même un curseur de vraisemblance édifiant. Nous sommes face à un degré de manipulation de haute voltige, extrêmement percutant. Il y a d'autres éléments que je n'ai pas cités. Je prends un exemple. Eliant, Alliance européenne d'initiative pour l'anthroposophie appliquée. Il s'agit d'une ONG qui a pour but de faire du lobbying auprès de la communauté européenne. Un lobbying pro-anthroposophe assumé en faveur des écoles Waldorf, de l'agriculture Demeter, de la médecine anthroposophique, de la pédagogie curative anthroposophe pour les personnes handicapées et pour la fédération des parents en faveur de la médecine anthroposophe. En 2011, une pétition lancée par Eliant, signée par 1 million de personnes, est remise à John Daly, membre de la communauté européenne chargé de la santé et de la politique des consommateurs. Cette pétition avait pour but la création d'un cadre juridique visant à préserver la liberté de choix, ainsi que l'opportunité de choisir des produits et des services anthroposophiques. Outre Jean-Marie Pelt, Albert Jacquard, on retrouve parmi les signataires la fondation Nicolas Hulot. Voici d'ailleurs ce que dit Monsieur Hulot. Je cite. Alors qu'il devient urgent de changer de paradigme et de comportement, alors que, plus que jamais, il s'agit d'être unis dans la diversité selon la devise européenne, ce serait faire injure au bon sens et à l'avenir que de permettre à de puissants intérêts de porter un coup fatal à ces véritables alternatives conformes aux enjeux vitaux d'un développement durable et solidaire. C'est pourquoi je soutiens Eliant. Fin de citation. Là, on a affaire à un magnifique tour de passe-passe. On agite le foulard des vicissitudes écologiques pour favoriser des dérives sectaires au niveau politique européen. Que ce soit de manière officielle, comme ce lobbying auprès de la communauté européenne, ou pseudo-révolutionnaire, comme avec Gaël Bradbrook et Extinction Rebellion. À ce sujet, Gaël Bradbrook était donc présente au Festival du Bien-être à la Maison Rudolf Steiner, comme je l'ai expliqué. On y trouvait une autre personne, Madame Margetha van Boeschoten. Elle est secrétaire générale de la Société anthroposophique en Grande-Bretagne, membre de la Goethanum Meditation Worldwide Initiative. Elle habite Stroud, comme Gaël Bradbrook. Stroud, c'est particulier, hein ? Surtout, elle siège au conseil d'administration de la banque Triodos NL. Triodos, c'est une banque basée aux Pays-Bas et fondée en 1980 selon les principes anthroposophiques, tout en se qualifiant de banque éthique. Triodos, c'est 14 milliards d'euros d'actifs. Et comme par hasard, Triodos est la banque d'Extinction Rebellion.
Si vous faites un don au mouvement, par exemple, l'argent part directement sur le compte enregistré chez Triodos. Est-ce que du coup, cela vous paraît étonnant qu'une personne comme Françoise Bien, prêtre de la communauté des chrétiens et donc forcément anthroposophe, promeuve Roger Allam, le cofondateur d'Extinction Rebellion? Ça paraît tout de même de plus en plus clair désormais. Même le journaliste Jean-Baptiste Chiara de Technique Art parle de la récupération de la cause écologique par les anthroposophes via XR. Il ne fait pas le rapprochement avec le mouvement anti-pesticides « Nous voulons des coquelicots, mais je vais le faire ». Il y a des liens qui me semblent plus qu'informels. Premièrement, il est étonnant de voir que dans la liste des signataires du manifeste de « Nous voulons des coquelicots », on trouve très peu de scientifiques, et encore moins des agronomes, hormis le couple bourguignon qui s'est séparé de l'INRA, ou qu'on a séparé de l'INRA, depuis qu'il a décidé de faire l'apologie de la biodynamie. Deuxièmement, il est étonnant de voir qu'un mouvement qui appelle à l'arrêt des pesticides dans l'agriculture, et qui doit sans doute s'y connaître en agriculture, cela me semble une évidence, ait le soutien, entre autres, des colibris, du mouvement pour l'agriculture biodynamique, de Terre de Liens et de Terre et Humanisme, clairement anthroposophes ou très influencés par l'anthroposophie. Accepter le soutien de ces organismes n'est pas anodin. Troisièmement, le manifeste des coquelicots est publié chez Les Liens qui Libèrent, soutenu par Actes Sud qui en fabrique les livres. La maison a d'ailleurs été créée par association avec Actes Sud. On sait que Nissen, Madame Nissen, est plus que proche des anthroposophes. Troisièmement, je vais citer le fondateur du mouvement des coquelicots, Fabrice Nicolino. « Ce n'est ni l'appel de Charlie, ni le mien, dit-il. C'est un appel lancé par des humains à d'autres humains. » Fin de citation. C'est très anthroposophe comme phrase. Pas seulement, mais ça l'est aussi. Je cite Rudolf Steiner, « L'interprétation correcte du mot anthroposophie n'est pas sagesse de l'homme, mais conscience de son humanité. » Cinquièmement, Fabrice Nicolino a défendu bec et ongle Pierre Rabhi lorsque l'article « Système Rabhi » de Jean-Baptiste Mallet est sorti. Les arguments sont très pauvres et du genre « Pierre est mon ami, Pierre il est gentil » et ça ne va pas plus loin. Marie-Monique Robin a soutenu Nicolino qui soutient Rabhi alors que celle-ci a fait un film documentaire et un livre au même titre d'ailleurs, « Moisson du futur », où elle fait l'apologie, entre autres, de la biodynamie. Sixièmement, François Veillerette, l'autre cofondateur des coquelicots, défend souvent les fermes biodynamiques. L'article que vous voyez à l'écran parle quand même d'une technique agricole homéopathique. François Veillerette fait même des séminaires en compagnie d'une productrice de vin blanc en biodynamie. Septièmement, M. Veillerette est le fondateur de Génération Future, dont il fut le président avant de passer la main à Maria Pelletier, qui dirige le moulin Marion, qui propose entre autres de la farine biodynamique. Et la biodynamie, on ne la pratique que si on y adhère, ça ne peut être autrement. Huitièmement, quand on regarde le « Who is » du site de « Nous voulons des coquelicots », le créateur du site est « Génération Future ». Quand Coquelicot a été créé, Maria Pelletier était déjà la présidente de Génération Future. Alors moi, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Ah, l'agriculture biodynamique. Il y a peu, le mouvement de l'agriculture biodynamique a promu, histoire de se donner un peu de consistance, un livre écrit par Peter Heuser, « Les bases scientifiques de l'anthroposophie », édité par Eitera. Du coup, s'ils m'écoutent, j'aimerais leur poser cette question. Cher MABD, quelles sont les bases scientifiques d'un livre que vous recommandez sur les esprits qui agissent sur les plantes? Le titre, c'est « Les êtres élémentaires, gnomes, ondines, sylphes et salamandres ». D'Ursula Burkhardt, une dame qui est depuis son enfance en contact avec ces êtres. Merci d'y répondre, ce serait bien sympa de votre part. En fait, plus que tout cela, ce qui m'a saisi... Ce n'est ni Andreas Schleicher et Pisa, ni Gail Bradbrook et XR. Ce sont certes des informations impressionnantes, mais c'est plutôt le commentaire de la maman sur la page Facebook de l'école Steiner Waldorf d'Avignon. C'était le moment le plus effrayant pour moi.
D'une part, cette maman est complètement impartiale parce qu'elle explique dissocier la pédagogie Waldorf de ce qu'a subi son fils. Son témoignage n'est donc pas l'argument servant combat, c'est juste un témoignage personnel. Et d'autre part, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, la maman ne juge pas ce qui s'est passé à l'école de Verrières-le-Buisson, mais accuse l'école d'Avignon de soutenir celle-ci alors que le fils de cette maman a été abîmé au jardin d'enfants d'Avignon. Je dis abîmé parce que l'enfant se répare depuis un an. S'il se répare, c'est qu'il a été abîmé. Et c'est horrible, surtout quand on le replace dans l'ensemble d'événements que j'ai cités. Moi, franchement, ça m'a complètement choqué. Quand j'ai vu ça, j'étais pétrifié, littéralement. J'ai appris aussi, par l'intermédiaire d'un troll, qu'il existe une école Steiner-Waldorf chez les Lakota, en pleine réserve indienne dans le Dakota Sud, aux États-Unis évidemment. Sur le site de présentation de l'école, il est indiqué ceci, je cite, « Les fondateurs de l'école Lakota-Waldorf ont reconnu que pour qu'une école réussisse dans la réserve, elle devait aider les enfants Lakota à se connecter à leurs racines. » Fin de citation. D'accord, mais c'est extrêmement paradoxal avec les faits. D'une part, comme dans toutes les écoles Waldorf, l'école organise la fête des lanternes à la Saint-Michel. Tout comme la spirale de l'Avent d'ailleurs. En quoi cela les reconnecte à leurs racines? D'autre part, il faut voir ce que disait Rudolf Steiner des Amérindiens dans « L'âme des peuples », son livre. Enfin, un livre tiré de ses conférences. Je vais le citer. « Regardez donc les dessins d'anciens indiens et vous verrez la dégénérescence de la race. » Les Indiens qui s'éteignent en Occident sont une race en déclin, meurent de leur propre nature parce qu'ils obtiennent trop peu de lumière et de chaleur, meurent de la terre. Les Blancs sont en fait ceux qui développent l'humain en eux-mêmes. » Fin de citation. Alors là, c'est jackpot, hein. Racialisme spirituel qui se transpose dans un racialisme physique, ce que les anthroposophes nient de toute leur force malgré Rudolf Steiner. Je vais continuer à citer notre ami Rudolf Steiner. Le peuple indien d'Amérique s'éteint, non parce que cela a arrangé les Européens, mais parce qu'il a dû prendre en lui les forces qui l'entraînaient vers son déclin. Fin de citation. Alors je ne vous raconte pas là le révisionnisme, c'est absolument infâme. Et ils osent ouvrir une école Waldorf là-bas, pour que les Indiens se connectent à leurs racines. Et ils en sont contents, comme ce troll. C'est immonde. Je me demande ce qu'en pense Jean-Michel Vizen, un ami qui a passé du temps chez les Lakota et qui nous raconte les réserves indiennes dans un livre qu'il vient de publier, Chronique de voyage en terre Lakota. Voilà, je vais arrêter là et je vous dis à bientôt.